What's up, gens? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour une vidéo comme il n'y a personne parce que je n'ai pas Daniel. Aujourd'hui, on est sur Hypixel, mais la vidéo n'a pas du tout rapport avec Hypixel parce qu'on va parler de K-Faction V4, les amis. Et oui, aujourd'hui, on est à quelques semaines, je dirais, peut-être mois, de l'ouverture de K-Faction. Et on a besoin de votre aide parce que dernièrement, avec l'équipe de K-Faction, on a fait un récapitulatif de nos nouveautés, des trucs qu'on voulait rajouter et tout. Et on a remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de nouveautés niveau mode. Il y avait beaucoup de nouveautés niveau plugin et tout ça, et plein de modifications, de trucs que vous nous avez dit de changer. Mais on a remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de nouveautés niveau mode et on aimerait ça en rajouter. Donc, on s'est dit, pourquoi pas demander directement à notre communauté, donc à la communauté de K-Faction, les idées qu'ils ont envie de proposer. Donc, je vais vous donner un exemple de comment postuler pour une idée. Donc c'est très simple, vous allez dans les commentaires de cette vidéo là et vous expliquez par exemple votre idée. Donc moi je m'appelle Icons, donc je vais mettre mon pseudo, donc Icons, parce que bien sûr on va mettre une récompense à celui ou celle qui trouve les meilleures idées quoi. Donc tu mets ton pseudo K-Faction, donc Icons. Ensuite tu mets ton idée, donc par exemple moi mon idée ce serait de rajouter une nouvelle agriculture, donc par exemple les ananas. Moi j'aimerais ça que les ananas soient disponibles sur K-Faction, donc je vais expliquer que les ananas sont trouvables seulement dans les forêts. Donc dans les jungles, et ils sont en cassant une feuille de jungle par exemple, je peux obtenir une graine d'ananas. Voilà, ça c'est mon idée, et l'ananas coûte plus cher au shop. Voilà, donc j'écris mon idée, je mets un commentaire, j'envoie. Ensuite, vous, les autres joueurs, vous pouvez liker les commentaires et les meilleures idées des autres joueurs. Donc par exemple, une idée, elle a 25 likes par exemple. On va la poster, l'idée, dans le Discord K-Faction. Dans la catégorie sondage, on va poster le truc et on va mettre des pouces bleus et des pouces rouges. Donc, vous allez pouvoir voter, toute la communauté de K-Faction, donc les 3000 membres Discord, vont pouvoir voter pour votre idée. Donc, c'est très important que vous postez le meilleur de vos idées, que vous faites une explication le plus possible pour qu'on puisse les rajouter dans le serveur. Donc, je trouve que c'est une bonne idée de faire participer quelques joueurs. On aimerait ça rajouter peut-être 5-6 nouveautés encore. Donc, si vous avez envie de proposer une idée et qu'est-ce que je pourrais faire gagner. Chacune des personnes pourra accéder à 1000 points boutique. On va dire 1000 points boutique. Chacune des idées qui est sélectionnée, ce sera 1000 points boutique. Donc, c'est plutôt cool. Et pourquoi je ne suis pas sur K-Faction en ce moment? Vous allez vous dire pourquoi il est sur Hypixel, il n'est pas sur K-Faction. C'est très simple parce qu'on est en train de faire la migration de notre nouveau site sur nos serveurs du site. Et tous les serveurs sont offline pour le coup. Donc malheureusement, je ne pouvais pas me connecter à K-Faction pour vous faire une petite présentation du spawn et tout. Mais ne vous inquiétez pas, à partir de la semaine prochaine, les amis, les vidéos sur K-Faction vont reprendre. En ce moment, j'ai beaucoup focus sur le skyblock d'Hypixel parce que j'adorais ça. Comme vous pouvez voir, build, s'occuper de mon île, avancer les métiers et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de vidéos à Pixel dernièrement. Si vous êtes intéressé, les amis, à voir mes vidéos à Pixel, vous pouvez tout simplement les retrouver sur ma playlist à Pixel que je mettrai le lien en description. Et puis, le tour est joué. Sur ce, les amis, je ne vais pas prendre plus de votre temps aujourd'hui. J'ai vraiment besoin de votre aide pour K-Faction V4. Comme j'ai dit, elle va sortir bientôt. Et là, c'est débordé dans les plugins. Donc, on a vraiment besoin des nouveautés seulement du côté modé. Je ne sais pas si j'ai précisé, mais les plugins, on est vraiment déjà full nouveautés. C'est vraiment nouveau modé. Genre, par exemple, comme j'ai dit, une nouvelle agriculture, des nouveautés modées. Je ne sais pas vraiment. C'est pour ça que je vous dis, je suis à court d'idées, les amis. On a déjà pas mal de nouveautés. Donc, si votre nouveauté, elle est déjà instaurée, ben malheureusement, je vais supprimer votre commentaire. Donc, vous allez avoir, si vous voyez que votre commentaire a été supprimé, vous allez alors, ou plus caché, je vais peut-être juste le masquer pour pas que les autres joueurs puissent voir. Ou je répondrai juste pas, en fait. Comme ça, c'est comme ça, personne ne saura qu'est-ce qu'il y aura de nouveau dans K-Faction. Donc voilà, c'est juste ça que j'avais à vous dire aujourd'hui, les amis. Je suis désolé pour la petite vidéo. Je vais essayer de vous faire, comme j'ai dit, des vidéos spoil. Donc vous présenter des nouveaux items, des nouveautés et tout, pour pouvoir que je puisse vous préparer à l'ouverture de K-Faction qui aura lieu dans un ou deux mois, grand max. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, les amis. Je vous aime énormément. Désolé encore pour la petite vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de rejoindre le Discord pour voter pour les meilleures nouveautés. Ciao, ciao!